Je suis fier de participer à la célébration 80 ans et création et Institut d'ethnologie. Et en tant que petite Pricemore, c'est une belle réalisation que jusqu'à présent, la faculté a fonctionné, la forme est moune. Et il y a eu un apport pour le bail toujours dans la société haïtienne. Là. Donc, c'est un honneur pour moi pour participer à la célébration ça, je veux dire. Donc, nous, on a fait là, je ne t'apprends pas grand-chose, mais nous, c'est quelques petits trucs là. On pas ambiance faculté qui est là. Même qui est en présence sur là. Tout le monde a des hauts et des bas. Et ce monde qui est là aujourd'hui, c'est le monde qui est là aujourd'hui. Et il y a célébrer, il y a pas apprendre, il y a attendre, il y a partager. C'est déjà un bagage que il est capable de faire ça. Donc, et peut-être qu'à l'avenir, il y a plus de monde qui va participer à nos prochaines célébrations. Mais de toutes les façons, il y a déjà un bel bagage que il y a fait célébration ça. Donc, étant donné que c'est héritage dans ton parcours, donc, qui souhaite vous souhaiter, qui sort à la main qui peut permettre que l'étonologie avance plus, que l'on ait plus à voir avec le petit comité étudiant? Bon, même temps, mais ouais, que les réflexions qu'a faites au niveau de faculté d'ethnologie a débouché sur des actions et positives dans la société a et côté que et ça que yo gagné en qui sorti dans et réflexion Pricemore là dans vision que le te gagné et pour ethnologie en Haïti livin et a agi en dans société a et qui pour permettre et unification toute petite et société haïtienne là Jean que et grand-père te gagné et ambition pour le fait et vision pour le fait. Merci à nous-mêmes et pour l'opportunité ça pour me partager avec nous et raison que me fait comme là. Louis Henri Mars. Je remercie toute la presse qui est là aujourd'hui, la presse écrite, parlée, télévisée et les agences en ligne pour le déplacement que fait pour venir couvrir le 80e anniversaire de la faculté d'ethnologie. Non, pas c'est Fédi Lestinfil, moi c'est étudiante en anthroposociologie dans la faculté d'ethnologie et moi c'est membre du comité qui a organisé le 80e anniversaire de la faculté d'ethnologie. Qui sa activité a hier, qui sa lien pour thème? Li gen pou tèm ethnomos. Ethnomos pou ki sa, c'est en l'honneur de Jean Pricemore qui a créé la faculté d'ethnologie en 1941. Et nous avons comme invité d'honneur Henri Mars qui est son petit-fils et qui va partager avec nous ses expériences. Donc, qui sa activité a gagné là-dedans? C'était une série d'activités qui a commencé depuis lundi. Côté nous avons fait une journée de réflexion, nous avons parlé sur différentes thème qui concernait Jean Pricemore, étant donné que l'été coïncidait avec 8 mars qui c'est Journée internationale des droits de la femme, nous t'ai gardé la femme dans la pensée de Jean Pricemore, qui Jean Pricemore était une femme. Et ensuite nous t'ai gagné plusieurs documentaires sur jeu traditionnel parce que nous connaissons en Haïti qui ça domino représenté, qui ça Marel est représenté, sauté code, etc. Nous avons passé un documentaire sur ça. Et jeudi, on a passé un documentaire sur l'institutionnalisation des sciences sociales en Haïti. Et ensuite, nous avons une cérémonie officielle pour nous commémorer les 80e année de la faculté d'ethnologie en l'honneur de Jean Pricemore. Et nous avons parallèlement des expositions des étudiants de la faculté d'ethnologie, des actuels étudiants et des anciens étudiants. Nous avons des étudiants qui écrivent livres, nous avons des étudiants qui font musique. Nous avons des étudiants tout, qui font des produits artisanaux. Nous avons tout le monde, toute catégorie, monde qui vient, qui est exposé dans la
faculté ingénieur jodia. Et ensuite, on aura une partie culturelle avec plusieurs artistes dans la faculté d'ethnologie, des anciens et des actuels étudiants de la faculté d'ethnologie. Par exemple, nous avons Chelo Pleb Music qui est un ancien étudiant dans la faculté d'ethnologie. Nous avons Nerve No Fils de Plume. Nous avons Jimmy Nerverdai. Et pour clôturer les 80e année de la faculté d'ethnologie, nous avons une ancienne étudiante de la faculté d'ethnologie qui a là qui c'est Manzé de Bookman qui va performer pour nous parce que lui même il trouvait que lui reconnaissant par rapport avec faculté d'ethnologie. Après l'orientation de l'ethnologie, la technologie, là nous connaissons, nous constatons tout, nous sommes toujours impliqués dans l'activité sociopolitique. Et la deuxième partie de la question, est-ce que nous satisfaisons de l'implication de la technologie dans la société, dans le monde ancien et nos étudiants? Moi-même, il faut que je dise que à chaque fois que je arrive à un côté, et, si on plaît, et pendant que je parle là, je parle avec toute une fierté en tant qu'étudiant de la faculté d'ethnologie. Peut-être que ça, moi, fier de la faculté d'ethnologie, parce qu'en plus que nous sommes une faculté de résistance, une faculté de combat, une faculté qui très souvent baille le ton à la crise sociopolitique dans le pays, mais tout nous produit des grandes personnalités. Nous avons président, nous avons ministre, nous avons sénateur, nous avons plusieurs parlementaires, nous avons des ambassadeurs, des conseillers latriers. Donc, moi, je dis que pour moi, en tant qu'un futur, monde qui baille le ton dans la société. Je dis que c'est une fierté pour me parler dans notre faculté d'ethnologie parce que nous connaissons que la faculté d'ethnologie traduit un symbolisme derrière qui était toujours là, qui là et qui a continué là. Donc, et qui ça la faculté d'ethnologie après 80 ans, qui ça nous fait? Moi, je pense que l'histoire parle pour nous déjà. En dans la faculté d'ethnologie, qui ça nous fait déjà? Qui ça nous bail déjà dans la société qui résultat nous bail déjà qui ça nous produit en termes de recherche dans la faculté d'ethnologie. Donc je pense que c'est une fierté pour nous et 80 années dans la faculté d'ethnologie c'est une fierté et 20 ans après ce sera encore une fierté. Et nous on est dans un cas qui plus récent depuis après l'incident de l'eau qui fait la faculté, la faculté a toujours connu dans ce moment de crise. Qui genre après 80 ans ça, qui genre construit donc moi je pense que en tant qu'étudiant dans question sciences sociales, moi connais que les crises et les conflits sont très souvent source de changement. Donc moi je pense que nous ca apprendre de crise yo, nous ca apprendre de conflits pour nous approcher problème d'une manière différente. Donc nous-mêmes en tant qu'étudiants en faculté d'ethnologie, ben c'est une familiarisation qui pour continuer faite parce qu'en faculté d'ethnologie nous avons comme tradition une solidarité de corps. Donc ben c'est familiarisation qui toujours faite pour nous chiter ensemble, pour nous étudier problème mieux et pour nous garder qui je nous capoter des solutions.